Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4. La Lituanie qui vient de se voir amputée de 4 nouveaux territoires. Une coalition contre moi qui grossit un peu, forcément. Là, j'ai été un petit peu fort dans les conquêtes, là, du coup. Voilà, la Lituanie a rejoint la coalition, c'est pas étonnant. Prochain objectif, s'occuper dégradation de la situation économique. Alors ça, c'est des technologies qui vont me coûter plus cher, mais c'est pas trop grave parce que je suis bloqué pendant 11 ans. Donc en fait, peu importe, je prends de, je sais pas, militaire par exemple. Bon, mes troupes là, elles peuvent pas bouger, faut que le moral remonte. Ça va prendre un certain temps. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est la guerre à la Mandchourie, à cause du problème de vassalisation. Je sais pas comment je vais gérer ça. L'Autriche a rejoint la coalition contre nous. Ils en sont où, eux? Il faut que le moral remonte à 0,56, ça va être un peu long. Donc mon armée, elle est légèrement en déficit quand même. Même si je la renforce au maximum, il va me manquer des troupes. Et là, en plus, je risque d'avoir de l'attrition en rentrant chez moi. Je suis à combien là? Normalement, elle devrait pouvoir bouger là. Ouais, c'est bon. Ouais, celle-là, c'est une 10-5-5. Et celle-là, c'est une 5-2-1. Je peux faire 4 troupes, je ferai le point sur ce que je peux faire. Bon là j'ai dû. Mes troupes vont se renforcer un petit peu, j'ai augmenté la maintenance militaire. Je vais accélérer le temps. Est-ce que j'ai toujours mon casus belli contre les Mandchous? Voilà, ouais, je suis pas avoir de diplomate forcément. Ah puis, ouais, bon, je vais essayer. 20 jours, bon ça va. Je suis un peu limite avec 3 diplomates, j'avoue. C'est pas évident de gérer. Donc les Mandchous. Hein. Les Mandchous, hop. La Horde Kurate et leurs vassals, elle va les soutenir. Je comprends rien à cette histoire. La Horde Wirat, là, c'est mon vassal, mais je vois pas. Je ne comprends pas. Bon, en tout cas, c'est la guerre. J'ai pas trop le choix. Est-ce que je ramène tout le monde? Peut-être pas. Surtout, je les mets où? Est-ce que je les mets sur la frontière de la Horde Wirat ou sur la frontière de la Mandchourie? Je sais pas trop. Je vais me diviser. Je laisse un peu de troupes en Europe. Je risque quand même de me retrouver en guerre assez vite avec la coalition qui s'est montée contre moi. Je vais pas faire plus de troupes que ça parce que je vais récupérer les troupes de Brandebourg et les troupes de Riazan, c'est-à-dire 4000 hommes ici, 4000 ici. Donc ça me mettra au-dessus de ma limite, je pense, donc pas la peine de faire plus de troupes que ça. Il faut encore que je construise les bâtiments spéciaux. Il me reste juste l'amirauté à construire, donc la tradition navale et le commandant sans frais. Pas très important comme bâtiment, honnêtement. Je vais pas le faire tout de suite d'ailleurs. Je vais plutôt commencer à dépenser mes points. En commençant par la diplomatie. Avec les cales sèches partout. Ouais, partout. Bâtiment de niveau 2.
Et après, le bâtiment de niveau 3 m'intéresse, il me permet d'avoir plus de navires. Donc là, évidemment, ça va un peu me ruiner. Ça coûte combien ce truc? 62 pièces d'or quand même. Va falloir que je patiente un peu pour m'acheter le reste. En soi, la cale sèche n'est pas très intéressante. Hein. Durée de construction moins 10 et réparation plus 10. Bon. Tiens, une guerre. Contre qui sont-ils en guerre? Rennes en union personnelle sur la France. Alors ça, c'est étonnant. Ils sont en guerre contre le Portugal. Attrition, sérieux. Un complot étranger. 10 de tradition républicaine, ça me fait mal au cœur, mais malheureusement, je crois que je vais prendre ça. Encore que là, je vais déjà me payer moins 10 et moins 10. Ça me fera moins 20. Moins 30, je me retrouve à 52 de tradition républicaine. C'est pas grave, je prends l'argent quand même. J'ai trop besoin d'argent là. J'ai plein de bâtiments à faire. Ok. Bon, j'ai pas l'impression que la coalition veuille me déclarer la guerre pour l'instant. Donc s'ils le font pas, moi je vais le faire. Est-ce que mes troupes sont arrivées? Pas tout à fait. Je perds des hommes avec l'attrition là. Voilà, donc là, moins 10 de tradition républicaine pour avoir intégré Riazan. Ça aurait été long. Hein. C'était pas forcément une bonne décision de les libérer quand je l'ai fait il y a très longtemps de ça. Je m'en veux un peu de l'avoir fait, j'avoue. Alors là, il faut que j'attende que le moral remonte. Alors j'ai un autre diplomate de libre. Si je pouvais annexer Riga, je peux pas. Si je pouvais annexer la Horde Wirat, je peux pas non plus. Putain, on est à 161. Alors, je vais améliorer mes relations avec eux. On y est presque. Bon là j'ai pas le choix, hein. Faut que je me mette à la frontière, ce sera plus simple. Sinon je suis trop loin là de la Mandchourie. Ok, ça fallait s'y attendre, on est en train de légitimer le territoire. Bon, puis je pense que... Ah, donc là, j'ai pas trop le choix, hein. Il va falloir que je le garde. Et je vais dépenser plutôt des points administratifs. Je pense que c'est là qu'il va y avoir un retard, peut-être. Je suis bien dans les trois, mais administratif, j'en ai toujours besoin pour légitimer, pour construire des bâtiments, parce que j'en ai vraiment pas fait beaucoup en administratif. Ouais. Ce sera administratif. Alors, j'espère que je vais pas perdre le titre de vassal de, enfin de suzerain de la Horde Wirat en leur déclarant la guerre. Je serais un peu vert, hein. Toutes les conquêtes que j'ai faites sur ce pays. M'inquiète un peu cette histoire. Bon, l'annexion est presque finie.
Je vais devoir dépenser des points militaires. Alors je vais le faire avant de déclarer la guerre, parce que c'est le genre de truc qu'après j'y pense plus pendant la guerre. Donc en commençant par les armureries, je vais peut-être pas en avoir beaucoup à construire. Et en enchaînant sur les terrains d'entraînement. Ouais. Bâtiment de niveau 2, hein. Ça va me coûter cher. Ok, pour l'instant j'arrête là, 732 points. Bon, les Mandchous, ça va être super rapide, hein. Ils ont vraiment pas de quoi résister, mais cette vassalisation là m'inquiète. J'ai hâte de pouvoir leur déclarer la guerre, d'ailleurs je pourrais le faire maintenant, peu importe si je suis pas à la frontière. Ouais, il faut que je teste parce que là je trouve pas ça normal. Il constitue une menace, on s'en fout franchement. De toute façon, qu'est-ce qu'on vise là? L'annexion totale, ça me paraît difficile. Je sais pas trop ce que je vise en fait. Bon, elle a démontré sa supériorité. Ouais, hop là. Ah, et c'est eux qui sont, ils sont en guerre contre les Mandchous. Donc là, il y a vraiment un truc qui m'a échappé. Et ils sont plus vassals des Mandchous. Bah, je me retrouve avec une guerre contre les Mandchous. Je ne comptais pas vraiment la faire, mais je l'ai juste fait pour vérifier si c'était un bug ou pas. C'est pas grave, hein, je vais la mener, mais je sais pas ce que je vais demander. Ah tiens, bah, je pourrais prendre le Shun là. Libérer, enfin prendre cette partie-là du Shun et puis les libérer pour en faire mes vassaux. Est-ce qu'ils ont d'autres revendications? Ah ouais, chez les Ming là. Donc après, je pourrais me faire une guerre chez les Ming pour continuer à conquérir des territoires Shun. Ah ben voilà, j'ai trouvé une utilité à cette guerre. Ah, les pauvres Mandchous, hein, ils étaient relativement puissants dans la région. Mais il faut bien dire que je m'en suis occupé et ça a bien changé. Je pense pas que je puisse aller jusqu'à la vassalisation. D'ailleurs, je peux pas les vassaliser, je peux faire un protectorat, je pense, mais pas les vassaliser. Ils sont pas occidentalisés, sûrement pas, donc. Ce que je peux faire, c'est diminuer ma maintenance militaire. M'étonnerait que j'ai beaucoup de problèmes à gagner mes batailles. Qu'est-ce que je fais après? Je fais la guerre contre les Ming ou tout de suite ou parce que à la rigueur ils peuvent rentrer à la maison. Cible de la coalition, allié avec la Crimée. J'aimerais bien faire la guerre aux Ottomans pour donner des territoires à la Géorgie. Mais voilà, une guerre contre les Ottomans, c'est compliqué. Ils sont pas occidentalisés, donc ça me donne un avantage. Mais ce qui fait la difficulté, c'est le nombre, évidemment. Bon, je pourrais accélérer le temps. Non, je préfère pas quand même s'il se passe quelque chose. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire une guerre contre l'Angleterre, absolument. Il faut que je me trouve le moyen de faire la guerre à l'Angleterre. Je parte pas trop de les voir ici. Ils ont pas beaucoup d'alliés, hein. Suède et Munster. Par contre, la Suède est dans la coalition contre moi.
On va commencer par eux, essayer de les sortir de cette coalition. Non, ça me paraît difficile, on est à moins 200. Je vais plutôt essayer de sortir Polotsk, qu'on est qu'à moins 128. Faisons les choses dans l'ordre. Ça, peu importe. Un conseiller en plus dans les choix, hein, donc pas très important. Une intégration de plus, ce qui me vaut encore 10 de tradition républicaine en moins. Par contre, je gagne 25 de puissance administrative pour avoir intégré, pardon, Brandebourg. Et je vais prendre l'unité religieuse, franchement, à chaque fois que je peux, je la prends cette mission. Elle rapporte 50 points de puissance. C'est du tout bon. Et en plus, bon, là, il y a quand même pas mal de territoires à convertir, il faut bien l'avouer. Elle va être un peu plus longue que d'habitude, cette mission. Donc me voilà avec Brandebourg en plus ici. Des petits territoires, somme toute, 5 et 7 en puissance, en taxes, c'est pas mal. Ok. Ok. Brandebourg, alors ça commence bien. Ça, c'est la conversion qui fait très mal. Ça multiplie les chances de révolte, il n'y a pas à dire. On est à 10% de chances de révolte à cause de la conversion majoritairement. Je pense que c'est ça le problème. Présence d'un missionnaire plus 6. Ça aide pas. Bon, là je sais vraiment pas. Je pense que je peux aller à 100%. Et on verra ce qu'on peut obtenir. Ok, c'était ma dernière colonie. Et maintenant, ah si, je peux encore en faire une ici, mais pour l'instant, je suis en territoire inconnu. Bon. Ben, je vais quand même rappeler mes troupes. Si on a l'occasion, on le fera, mais pour l'instant. J'ai pas d'explorateur, hein, donc d'explorateur. De ce point de vue-là, je suis assez démuni. Je peux vraiment rien faire. Ok, donc cette armée-là, je vais la laisser ici, au cas où j'aurai une guerre à mener contre l'Angleterre. Très tenté par une guerre contre l'Angleterre. Militairement, ils auront du mal à débarquer chez moi et à s'opposer. Puis en plus, il y aura la Suède. Peut-être une paix séparée à avoir avec la Suède. Honnêtement, la Suède. Alors par contre, je crois qu'ils ont noblesse locale eux aussi. Ouais. Mais il y a un pays à libérer ici, bien sûr, la Finlande. Avec beaucoup de territoire, donc un vassal de plus, un vassal potentiel. Bon, cette guerre, moins un de stabilité. Bon, c'est pas le drame, hein. Je suis à 3, je passe à 2. Ok. Ceux-là, ils vont rentrer chez eux pour avoir un peu moins d'attrition quand même. Merde. Alors j'espère que les Manchous ont pas d'île. A priori non. Bon, faut que je finisse la vidéo avec la victoire sur les Manchous, ce serait pas mal. Ah, eux aussi, ils ont marche forcée, sérieux. Tout le monde autour de moi a marche forcée, sauf moi. Je veux marche forcée.
Donc ça c'est une 6-2-2. Pour l'instant elle va rentrer là. Donc ça c'est une 4-3-3. Donc elle va aller. Ah sérieux. Lui il va rentrer en Europe. On risque d'avoir besoin de lui. Donc là, j'ai une 6-2-2 que j'ai mis tout au nord. Donc la 4-3-3, elle va aller là. Et l'autre 6-2-2, pour l'instant, elle va s'arrêter là. Bon, plus qu'une province. Ouais, je peux pas donner l'assaut quand même. Ça me... Je suis même pas sûr de gagner en donnant l'assaut. Il n'y a que l'infanterie qui joue dans un assaut, donc ça me paraît hasardeux. Une province de convertis, par contre, eux, ils veulent l'accès. Peut-être une guerre intéressante. Munster, Grande-Bretagne. Ah, j'aime bien quand la Grande-Bretagne est en guerre. Ah, la Suède les a pas suivis, c'est étrange. Merde, faut que j'y aille. C'est un territoire que j'ai envie de récupérer. Bon, 99 je vois quand même, donc honnêtement ça va peut-être suffire. Alors, je vais pas donner l'indépendance aux Shun parce que je pourrais pas les vassaliser. Il va falloir que je prenne leur territoire. Et que en fait. Tout le reste, je peux rien en faire. J'ai été à 99%, ça va me servir à rien. Ils ont pas d'argent. Je pars en un territoire à la Corée. Je pourrais leur faire renoncer à la légitimité d'un certain nombre de territoires. Je pourrais transférer la puissance commerciale, ça me sert à rien à mon avis, mais je le fais quand même, j'ai des points de victoire. Ok, bon bah je leur fais renoncer à tous les corps là. Et puis bah c'est tout hein. Honnêtement. Par ce traité, Manchu voit son prestige évoluer de 20, moins 22, ouais c'est parfait. Donc là je fais ça. Voilà. Et moi, je vais libérer ce... je vais libérer ça quand même. Alors, vite fait. Diplomatie. Pardon. Ah, je vais pas y arriver. Créer un vassal. Les Shun. Ah, c'est un protectorat que je peux libérer. Je peux créer. Le protectorat, ça ne m'intéresse pas du tout, hein. En fait, le protectorat, dès qu'ils vont s'occidentaliser, bien, ils deviendront indépendants. Donc ça n'a aucun intérêt. Je sais pas pourquoi ils ont créé ça. Ce genre de truc absolument inintéressant. Et je peux pas légitimer ces territoires. Ça va être un problème. Je vais rester en overextension pendant un paquet de temps. Je vais pas pouvoir les vendre à la haute cuirasse, je pense. En plus, il va y avoir plus de pays dans la coalition, parce que là, j'ai dû me prendre pas mal d'agressive expansion. J'avais pas pensé à ce détail, en effet. Je ne peux pas. Enfin, ça devient un protectorat plutôt que des vassaux. Je vois. Bon, normalement, je peux pas les donner à leur cuirasse puisqu'ils ont pas de. Ils ont pas de revendication sur ces territoires. Je vais regarder ça quand même, mais. Faut que j'attende un peu.
Parce qu'à la rigueur, leur donner même ça me suffirait, j'ai pas besoin de plus. Cadeau. Alors. Déjà, est-ce que je peux les annexer? Ouais, je peux les annexer, donc ça je le ferai. Et un petit cadeau. Non, qu'est-ce que je fais? Un petit cadeau. Je vais leur vendre une province. C'est ça, ils en veulent pas parce qu'ils n'ont pas de revendication sur ces territoires. Bon, et eh bien me voilà coincé avec des territoires dont je ne veux pas. La seule solution, c'est d'annexer la Horde Wirat. Ça va me prendre 6 ans, ça va, c'est pas trop long. Et quand je les aurai annexés, je pourrai diminuer mon overextension, je pourrai légitimer ces deux territoires. Tant pis pour moi. Par contre, ce que je peux faire, bien sûr, c'est les convertir. Ça, c'est toujours possible. Bon, et bien, la suite du programme, la guerre contre la Grande-Bretagne, alliée à la Suède. Mais honnêtement, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Ça me fait pas peur. Bon, j'ai pas beaucoup de troupes à l'ouest. J'ai un peu amené 40 000 hommes à l'est. Je suis un peu divisé. Donc eux, ils vont par là. Je vais laisser 40 000 hommes ici. Ça fait beaucoup, mais il y a pas mal de provinces à prendre quand même. Et puis de toute façon, à l'ouest, même dans une guerre contre la Suède, je pense être assez tranquille en fait. Bon, on verra ça. Prochain épisode, donc peut-être une guerre contre la Grande-Bretagne. Je réfléchirai. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous, même heure, demain.